Hey, salut tout le monde, c'est Maxime, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'As du Char. Aujourd'hui, je suis avec mon objet 416, char russe de rang 8, médium. Alors, ce char, c'est l'un de mes premiers, c'est mon premier tir 8, et il y a un moment où je l'ai vendu parce que il commençait vraiment à m'embêter. J'avais du mal puisque c'était les débuts de mon où je jouais avec, et j'avais du mal à jouer avec, donc je faisais tout et n'importe quoi. Donc à force, en plus c'est un gameplay particulier puisqu'avec la tourelle à l'arrière, faut être je pense un peu plus expérimenté pour avoir ce char là. Donc je l'avais vendu et donc je me suis dit je vais le reprendre parce que j'aimerais bien avoir l'objet 430, puisque j'ai le T62A, j'ai l'objet 400, le 140, et j'aimerais bien avoir l'objet 430 parce que pas beaucoup de monde le joue, mais il est vraiment très bon. Donc voilà, je me suis dit je vais relancer une petite partie, je vais relancer cette branche pour voir ce que ça donne. Allez, nous sommes sur la map Tundra, nous sommes en tier 8, partie de tier 8. Et nous arrivons là, je vois un peu tout le monde qui se... Bon. Je vois un peu tout le monde qui se précipite au milieu. Bon, bah d'accord. Donc s'ils veulent. Hop, on voit que c'est passé. J'ai eu de la chance parce que le viseur était pas... J'avais l'impression que le viseur était pas tout à fait dessus. Donc je vais attendre un petit peu ici parce que vous voyez, il y a du monde qui arrive. Pour peu que je me fasse taper... En plus, comme c'est une tourelle à l'arrière, c'est pas passé. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, pour l'instant, c'est un peu le chantier. Donc, je vais baisser ça. Peut-être que vous verrez mieux. C'est un peu le chantier. Je vais changer de position. Voilà. Quand c'est un peu trop le bordel, en plus, je sais que je vois qu'il y a du monde de mon côté. Donc, je préfère changer de... Passer par autre part. Voilà. Tout simplement. Allez, T26... Non, le T26 il veut pas. Et là, il y a le TVP. Et le TVP, bah, faut le sortir parce que c'est un bon joueur. Et ce que j'ai l'avantage, c'est qu'il focus le KV13. Donc voilà, pas de soucis. Hein. Focus-le. Moi, ça me dérange pas. Je reste full PV presque. Comme ça, voilà. Et je le finis. Ok. Le TY64, bon, je l'aurai pas. Et je vais aller faire demi-tour pour aller chercher le T26. Et le T26, cette saloperie, le T26 de blindage de merde, que j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas vraiment ce char. Faudrait que peut-être que je le prenne ou je le gagne, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Voilà, c'est faudrait que je vois. Allez. On y va. Là, je vais... Donc, je fais attention quand même au... Le type 64 a été sorti. De toute façon, je fais attention quand même à ceux qui sont en haut parce qu'ils pourraient me faire mal. Donc je vais tranquillement chercher les chars qui sont là. Par exemple, le Chito, le Panther, le type 44. Normalement, j'aurai largement le temps. Et l'IS2. Voilà. L'IS2 qui est là tout seul. Donc là, pas de souci. Il fait rien. Hop, il bouge pas. Hop, je regarde à gauche, à droite. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Hop, oui, vas-y, pas de souci. Alors, par contre, vous voyez, le désavantage de ce char, c'est sa tourelle. Hop, c'est sa tourelle qui est. Qui peut pas tourner à 360 degrés, donc c'est un peu embêtant. Et voilà, je le sors, l'IS2, nous sommes déjà à 3117 de dommages, il reste l'IS3, allez l'IS3, bonjour, voilà, ça c'est fait, et 12-6, donc on est serein, hop, et c'est pas passé, je suis un peu déçu, c'est pas grave, il m'a vu, mais voilà, je pensais que ça allait passer la première fois, mais bon, c'est pas grave, allez. 3600 de dégâts, 4 kills. Hop, encore du dégât sur le T44.
Et on va aller le finir tranquille. Donc là, je vois qu'il fait le tour. Donc je vais couper directement par là parce que je suppose vraiment que il va vouloir sortir l'autre côté. Et là, on fait des platoons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je pense que ouais, c'est pour les missions. Il y avait une mission à faire ou je sais pas. Enfin, des fois, j'accepte. Quand ils voient qu'on a fait pas mal de dégâts, ça peut les aider à faire leur mission. Voilà, moi je suis content comme ça. Ils sont contents aussi. Et il n'est pas là. À mon avis, il a dû rouler. Il roule, il roule. Et on va le retrouver. Attention. Bientôt. Et on le retrouve là. Ok, super. Alors là, je peux me prendre une. Hop, et c'est mon collègue qui le tue. Parfait. Hop, voilà. Donc je finis avec 4001 de dégâts. 4 kills. Donc c'est parfait. C'est super. Je fais ma petite tasse du char que je n'avais jamais fait encore. Donc voilà, je l'ai montré. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien tout le monde. Bye bye.